Salut à toutes et à tous, c'est VicNin66 et on continue les épisodes à la foulée, je sais, c'est n'importe quoi, c'est pour m'éviter encore d'avoir des dictaciels de merde. Et on se retrouve à l'épisode numéro je sais plus combien, ta gueule toi, je crois que c'est l'épisode 28 cette fois, j'en suis presque sûr. Parce qu'on n'avait pas fait beaucoup d'épisodes à vrai dire sur Zelda, je m'en souviens même. Ça m'avait même choqué. Et donc là on est prêt pour commencer le temple, enfin la tour du jugement, parce que le temple on en a déjà fait 3, ça suffit. Et donc voilà, allez, on commence le temple, on va essayer de le faire le plus rapidement possible, hein, sans déconner, je vais essayer de le faire le plus rapidement. Avec bien sûr tous les quarts de cœur qu'il doit y avoir. Ah non, monte. Oula, ouf. Alors par contre, combien il y a de quarts de cœur ici? C'est tellement vaste que je pourrais vous dire 2 ou 3, je pense. Mais je pense plus pour 2. Comme dans chaque temple, il y en a eu 2. Pourquoi? Ça changerait. Hop là. Oh putain, il y a même des guerriers. Des mini-guerriers, excusez-moi. Bon. Les bottes de plomb, s'il vous plaît. Les bombes, je pense pas qu'on en aura forcément besoin. Donc la lanterne ici, les flèches là. Voilà les tirs Link. Bah quoique on avait peut-être pas besoin en fait des bottes de plomb. Hop là. Et en plus il... Ah non quand même, il faut... J'allais dire en plus il faut une fée. Bon on sera pas dans la merde. Allez on remplit. Ça va toujours faire plaisir à ma maman. Non, je rigole. Je ramène de l'huile. L'huile d'olive, ça fait toujours plaisir. C'est très bon avec la salade catalane. Ah, les salades catalanes, qu'est-ce qu'elles sont bonnes! Ah, des insectes! Qu'est-ce qu'ils foutent là, sans déconner! Ah, vous êtes niqués, hein, vous pouvez pas venir me chercher. Vous êtes tous mourus? J'avoue que je dis ça, mais ça veut dire, ça veut rien dire. Hein. À part vous êtes tous morts, c'est des mots que j'invente en même temps. Lanterne. C'était rapide. Il n'y a pas d'autre. Eh, ils sont petits, on dirait les soldats verts dans, dans Toy Story. C'est genre, ouais, on va tous les attaquer, général, ouais. Mais avant ça, on va tous se faire crever, ouais. Oh, j'ai perdu un bras, non, j'ai perdu 2 jambes, moi. Moi, j'ai perdu tous mes os. Ok. Ah, je me disais, merde, il n'y a plus de lumière, c'était bizarre. Mais on peut passer, là? La porte, elle est ouverte? Non, elle est pas ouverte, c'est juste que j'avais besoin de ça. Et de ça. Je suis tellement aveugle en même temps. Et si je veux le finir le plus rapidement possible, ça va être dur là. Je vais devoir rattraper mon retard. Hop là, allez. Ça rappelle beaucoup Skyward Sword cet endroit. On est des insectes, on va tous vous bouffer. Hop, j'ai besoin d'un feu et d'une âme. Donne-moi ça. Ton âme. À moi, Giovanni. Ah oui, au fait, ce sont des parties des âmes de Giovanni aussi, hein, ça, ces parties-là. Vous vous demandez comment il est arrivé là? Moi non plus, j'en ai aucune idée. Non, mais tu te fous de ma gueule, le boss, il est juste devant moi et tu... On va tourner autour de toi, moi je vais rester ici, je vais me faire bouffer exprès. Tu sais que t'es beau, toi. Finish him. Prends-lui son âme. Parce qu'elle est à moi. Allez, encore une âme de spectre. Ça dégonfle, hein. Hop, voilà, une flamme de plus. Et il en faut 4. Il faut trouver les 4 spectres pour pouvoir y aller. Eh ben, pour les trouver, ça va pas être une mince affaire. Oubliez l'odeur d'Iria. Ouais. Odeur de spectre.
Vas-y Link, là il faut tirer. Oula, je vais encore être malade moi. On va faire comme dimanche dernier sur FF8, FF7 épisode 8. Je vais être malade, je vais pas aller au lycée, je vais faire des épisodes. Ou même pas, hein, j'ai même pas fait d'épisode la dernière fois que j'étais malade, j'étais au lit faible. Faible en train de dire non, j'ai mal au ventre. Tu veux faire un épisode? Non, donne-moi à manger. Mais t'es malade. Je m'en fous, j'ai faim. Ouais, c'est comme ça que ça se fait. Ah, bon. On va voir ce que ça fait de tirer, enfin de pousser de ce côté. Allez-y, madame, poussez. Wow. Ah, pas cela. Alors lui. Toi, mon gars, tu vas... Non, c'est pas le bon truc. Voilà, manière simple de les finir, c'est à la... C'est avec les flèches, quoi. Les flèches explosives. Deux coups de flèche suffisent. Enfin, des fois, moi, j'utilise un prochain objet que vous verrez plus tard. Fort efficace, au passage. C'est pour ça que je vais l'utiliser. Alors, par là, qu'est-ce... Ah. Bon, il n'y a rien ici. Et au rez-de-chaussée... Non. Au rez-de-chaussée, c'est là-haut. Ah non, merde, on est déjà au rez-de-chaussée. Je suis con, c'est... pardon. On peut pas aller plus loin? Ah, putain. Fais chier. Par contre, j'ai vu un trou au-dessus. Ce qu'on va faire, c'est essayer d'y aller. En espérant que le trou s'ouvre après. Ouais, il s'ouvre, regardez. Bon, tu vises, oui. Par contre, je crois pas que c'est... Des rats! Ils mangent les crânes! Touchez pas aux crânes. Sans pour moi. C'est 10 000 fois mieux quand c'est moi qui le fais. Par contre là... Ah bah tiens, deuxième. Donc lequel est une vraie... est un vrai spectre, lequel n'en est pas? Ah, il m'a esquivé, l'enculé. Donne-moi ton âme. Merci. Ça fait un feu de plus. On va pouvoir y aller plus sérieusement. Pop, 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 pop. Au passage, on a passé les 650 abonnés depuis un certain temps déjà, je le sais. Enfin, je crois hein, qu'on a passé. Ou alors on en est au 646 ou 647. Enfin, merci à vous en tout cas de me suivre. Ça fait toujours super plaisir, comme je le dis. Puis ensuite, si vous voulez me suivre, c'est votre cause. Et bah, j'ai pas encore fini, à vrai dire, l'histoire des... de l'organisation 13, hein, il me manque toujours il me manque Vexen. J'ai Saïx, mais Vexen me fait chier. Mais quand je vous dis qu'il me fait chier, c'est vraiment, je déconne pas, c'est le gars me fait chier, c'est genre non, je veux pas crever. Oui. Garde ton nez sur ton socle, monsieur. Alors, où est-ce qu'il peut y en avoir un autre? Non, 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 non. Ah, non, celui-là, il est parti par là. Parti par là. Puis ensuite, il est parti par là-bas. Bah, d'accord, en même temps, ils sont à côté, les deux. Qu'est-ce que tu veux faire? Et la carte du donjon, elle est où? Merde. Sans déconner. Ok. J'ai failli me prendre des pics dans la gueule. Ça m'a à peine surpris. Enfin. Fou. Allez. On prend ça.
On met ça ici, comme ça, ça pourra nous servir plus tard. Déjà que ici, on voit qu'il y a un truc pour un grappin, je pense. C'est un peu n'importe quoi, j'ai envie de dire là. Bon. Vas-y! Quoique j'aurais peut-être dû aller dans le trou direct. Dans le trou du machin. Il y a peut-être un truc intéressant. Voilà. Ça, c'est à pousser. En plus, il y avait le signe de la Triforce dessus. Allez, on va essayer de le faire le plus rapidement possible là. Non, y a, ici, il n'y a rien. Ici, il y a quelque chose. Tu fermes ta gueule et tu me laisses passer. Merci. C'est radical comme solution. En plus, il y a la clé. Dépôt. Voilà. On y est presque. Alors est-ce que le spectre peut être là? Ouais. Je l'entends d'ailleurs au passage. Par contre je... Ouh, toi t'étais grillé. Voilà, ça fait plaisir. Oh, font chier quand même. Hein. On se transforme en loup parce que j'ai même pas besoin de savoir où il est le gars. Hein. C'est n'importe quoi. C'est genre, je creuse, je trouve le spectre. En même temps, c'est visible hein, qu'il y a un... Qu'il y a du sable pour creuser. Hein. C'est... Mais il va se faire prendre, oui, merde! C'est n'importe quoi, il est complètement bugué! Voilà! Pas trop tôt! Hop, une nouvelle âme, ça fait toujours plaisir. Une âme non plus là. Allez, 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 allez. On doit finir le temps le plus rapidement possible. On est déjà presque à 13 minutes. Enfin, on a passé les 13 minutes de vidéo. Donc, ici, c'est ça, ça sent le bordel. Parce qu'il y a plein de plaques déchirées par terre. Un coffre ici. Je pense pas que c'est la clé. Ce serait trop simple. Ils se foutent de ma gueule. C'est un temple! C'est censé être un temple ça les gars. Putain mais la clé il te donne à côté de la porte où t'en as besoin. En plus ça des rats invisibles. Désolé mais moi j'appelle pas ça un temple. T'as la clé juste à côté de la porte, c'est n'importe quoi. J'aime plein de chez Nintendo. Il y a un coffre juste là. J'ai pas été foutu de le voir. Il y en a même deux. Oh l'enculé. En plus, je crois savoir où... qu'est-ce qu'il y a dans ces coffres. Celui de gauche, un quart de cœur. Celui de droite. Ah, putain, c'est la carte du donjon en plus à droite. C'est n'importe quoi. Je fous vraiment n'importe quoi en ce moment. Enfin, j'irai les récupérer plus tard. Vous savez déjà que c'est ça. Et c'est pas la peine dans les commentaires de me dire t'as oublié la carte du donjon. Je sais où elle est. C'est bon.
Je vais descendre. Non, j'ai dit je veux descendre. Voilà. Comme ça, on peut aller ici. Ça doit être fait rapidement normalement, ce temple. Il n'est pas forcément difficile, enfin à certains moments aussi. Mais voilà, il y a de quoi faire. Faut le pousser. Je suis vraiment con. Me le dites pas, hein. C'est bon, j'ai compris. Au pire, j'avais juste à utiliser le grappin. Oh, mais quel enculé! Casse-toi, saloperie! Casse-toi de ma villa! Vas-y, Kéké, tu peux faire Kéké, tu peux y aller, Link, vas-y! Ça va être de plus en plus dur à force, là. Déjà que le temple commence à devenir un peu plus corsé. Enfin, les temples commencent à devenir un peu plus corsés. Et là, je vous vois venir en disant « Ah, tu rigoles! C'est le temple le plus simple du jeu !» Non, il est quand même assez... Dis-moi, c'était un fake? Effectivement, c'était pour me faire chier, en fait, qu'ils avaient fait ça. Merci du cadeau, hein. Bande d'enfoirés. Aïe, aïe, quel coup de... Coup salopard qu'ils peuvent faire, des fois, Nintendo, c'est abusé. Mais tu vas te casser, oui. Dégage de ma propriété, on va dire. Parce que sinon, ce serait vulgaire ce que je dirais. Et vous n'aimez... Et je n'aime pas être vulgaire. Ça, c'est ce qu'on croit. Après, dans la réalité, je suis quelqu'un de très vulgaire. Voilà. Pas trop tôt. Bon, est-ce que ça passe, par contre? Ouais, ça passe. Tranquillement, même. Faisait leur partie de l'armée d'élite de Rambo. J'avais un arc aussi avant, maintenant je me suis mis à l'épée. Mais maintenant tu vas crever. Paix à ton âme, tes os vont être détruits avec. Merci. C'est la seule manière de te vaincre. Bon, par contre, je crois qu'il y a des bombes ici, autant en profiter. Voilà ce que je disais, 5 bombes. Pouf. Récupère un peu ce qu'il y a dans les pots et tout. Ça fait toujours plaisir d'avoir quelques rubis en stock, après tout ce que j'ai vendu pour le prêtre. Qui m'a donné un quart de cœur et qui m'a fait un réceptacle, c'est super. Encore des bombes. Décidément, il y en avait vraiment besoin pour celui-là. J'en ai utilisé qu'une. Oh, ah non, je vais tomber. Non. Ouf, failli tomber. Failli. Je suis pas tombé. Là, what? Je suppose que je dois me transformer en loup parce que sinon ça va pas le faire. D'accord, faut enflammer celui-là.
Ah, c'était pas le bon. Et ça, ça fait quoi? Encore de la merde. Mais vous en avez pas fini, hein? Vous savez très bien que je vais vous battre. Pourquoi vous acharner? Mais je vais tous me les faire, moi, c'est pas possible. Bon, ça fait des rubis, je suis d'accord avec vous. Pas trop tôt. J'ai failli tous me les faire. Failli. C'est bon, j'ai compris que j'avais réussi un truc. C'est pas la peine de me narguer en disant oh, t'as enfin réussi, gros con. C'est ce que je comprends quand il me dit ça, bien sûr. Allez. Oh, bien sûr, quand c'est le dernier, c'est beaucoup plus dur, c'est ça. Culé, va. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Je pense que c'est toi. Je sais pas pourquoi. C'est toujours celui que je vis jamais que c'est lui. Hop là. Voilà, dernière âme. Maintenant, on va pouvoir aller chercher d'autres trucs parce que je pense pas que c'est le boss en fait. Ce serait beaucoup trop simple comme temple sinon. Enfin, un épisode quand même de 20 minutes. Non, allez, on va finir ce temple quand même pour l'épisode. Allez. Quoique, il est un peu long quand même. Je vais juste faire 2-3 trucs supplémentaires et après, basta. Sinon, ça va vraiment être trop long. Faut retourner là-bas. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir aller chercher ces putains de coffres, normalement. Ou pas. Parce que je pense pas que le temple est si petit, quand même. Ça me ferait peur, quand même. Non ! Crève pas ! Crève pas ! Voilà, merci. Donne-moi la carte du donjon, s'il te plaît. Oh yeah, on va avoir la carte du donjon, ça va être n'importe quoi. Allez, là, 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 là. Carte du donjon. Oh yeah, ça va être n'importe quoi. Je commence à faire n'importe quoi. Je pars en vrille, c'est n'importe quoi. En fait, il y a beaucoup plus de choses. Il y a beaucoup trop de choses pour moi. C'est vraiment n'importe quoi, ce donjon. C'est un donjon à la Zelda, quoi, en fait. Allez, hop, on peut monter là-haut. On va aller voir tout ce qu'il y a. Il doit y avoir un boss ici, ça doit être sûr et certain. Parce que pour se taper 4 spectres comme ça, c'est n'importe quoi. Oui, je sais que je parle très rapidement, c'est normal, c'était pour vous faire chier. Et pour que vous compreniez la moitié de ce que je dis. Environ. Et en plus, il doit y avoir un boss. Même pas. Je suis déçu. Très déçu. Alors je vais pas risquer ma peau. Y'a rien ici, rien là-bas. Bon, ok, d'accord, ça veut dire que je suis obligé d'aller là. Link, t'as intérêt à survivre. Hop là. Voilà, c'est bon. Ah, on descend en plus, on peut descendre encore plus bas. D'accord. Là, on a vraiment touché le fond. Mais là, on y va. Non, c'est encore un peu plus haut, s'il te plaît.
Ouais, bien sûr, tu me fous des pics dans la gueule, quoi. Bon, pas grave. Faut juste contourner. Allez, donne-moi ta putain de petite clé. Merci. Allez, petite clé, maintenant on peut aller vers la salle du boss pour pouvoir le buter. Remarquez, ça va être assez simple puisqu'il y a... Tout le monde doit connaître ce boss normalement si vous avez joué à Zelda. Non, c'est pas... J'allais dire Xehanort. J'allais dire il s'appelle Xehanort. Mais sans déconner, Viknin. Qu'est-ce que tu fous à dire Xehanort? Xehanort, c'est dans Kingdom Hearts, abruti. Déjà que se parle à soi-même, c'est assez arbre. Enfin. Il y a toujours un monstre antique qui réapparaît de toute manière, normalement. Ça passe. Ça passe. Fais pas le coup de pute. Pas de coup de pute. Oh, et en plus, il y a le gros qui se ramène. Vas-y, les souris, lâchez-moi la grappe. Wow. Plus rapide que toi, mon gros. Je devrais en avoir pas mal quand même sur moi. Non, c'est pas ici. Ah d'accord, me dis pas qu'il faut que je vais devoir... Il va falloir que j'ouvre un mécanisme, c'est ça? Bien sûr, comme par hasard. Juste quand je sais pas où il est le truc. Bah il est là. On en a combien sur nous? Un seul, ça devrait le faire encore. Allez, tire! Ça rappelle beaucoup la mine Goron là. C'était rapide, dis donc. Oh non, pas des insectes! Cassez-vous! Voilà! Enfin! Encore des insectes. Hop là, esquive, hop là, esquive. Merci, au revoir. C'était un plaisir de vous avoir rencontré, mes chers pièges à la con. Alors, vous, encore pire. C'était quand même assez simple, je pense, là, quand même. C'est un temple qui demande pas trop de concentration. Suffit juste d'avoir le bon... D'être bien concentré, tout ça, et de partir correctement sur les bases. Enfin. Il me semble qu'il y a un passage ici. Parce que sinon, je pourrais passer. Et comment on fait pour ce passage ?